de chrysanthème en chrysanthème, à chaque fois plus solitaire. De chrysanthème en chrysanthème, à chaque fois surnuméraire. J'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois prendre un amour comme on prend le train, pour plus être seul, pour être ailleurs, pour être bien. J'arrive, j'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois remplir d'étoiles un corps qui tremble et tomber mort, brûlé d'amour, le cœur en cendres. J'arrive, j'arrive, c'est même pas toi qui en avance, c'est déjà moi qui suis en retard. J'arrive, bien sûr j'arrive, mais je jamais rien fait d'autre bonhomme. Hé, hey Jacques, c'est un échec, elle est terminée. Moi, je cherche de l'or. Ça fait 12 ans que je cherche de l'or. Tu en trouves souvent? Oh, mais pas ici. Mais en 1956, j'ai trouvé une pépite. Et une autre en 1962, chez un paysan, au fond d'un puits. C'était vraiment de l'or, ça? Oui, monsieur. Enfin, presque. Ah, qu'est-ce que tu veux à ce moment-là, je t'ai buté? Ouais. Et toi, où tu vas? Ah, moi, je vais au Far West.
Il y a de l'or dans sa ouest. Sa ouest. Plein d'or, sa ouest. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? L'as de cœur. Voici l'as de cœur. Et voici maintenant la cage mystérieuse. J'ai eu l'honneur de présenter ce tour extraordinaire devant les plus grandes cours d'Europe. Comme vous pouvez le voir, aucun trucage, aucune préparation. Mais pour le réussir, il me faut l'aimable concours d'une personne de l'assistance. Allons, mesdames, allons, messieurs, un bon mouvement, il n'y a aucun danger. Je vous ordonne de disparaître. Il a disparu. Bravo. Merci beaucoup. Et enfin, mesdames et messieurs, ce soir, en l'honneur du passage de Myrcus dans votre aimable localité, vous allez avoir le privilège de voir ce que vos yeux n'ont jamais vu. Cette épée va pénétrer dans mon ventre, ressortir par le dos, et chacun pourra constater qu'aucune goutte de sang n'est visible. S'il y a des personnes sensibles dans l'assistance, il leur est recommandé de fermer les yeux. Attention! 1, 2 et 3. Des pouvoirs. J'en ai eu des pouvoirs. Je pouvais faire crever le ciel d'un seul geste. Je commandais aux quatre éléments, aux sept éthers, aux cinq plans subtils. Il faut pas vous énerver comme ça. Seulement voilà, ils m'ont quitté. Anna, je les ai perdus comme un vieux clown sur chapeau. Sauf un. Malheureusement, il m'était impossible de l'exploiter sur scène. Faut pas bouger comme ça. Vous empêchez mon sang de passer, ça fait des nœuds dans les tuyaux. Tu m'as donné ton sang, mon fils. Tu m'as donné ton sang, mon fils. Je vais te donner mon dernier pouvoir. Là où je vais, je n'en ai plus besoin. Et c'est une chance qu'il soit transmissible. Alors, voilà, regarde-moi. Regarde-moi bien. À partir de maintenant, tu pourras. Je pourrai. Tu pourras. Je pourrai. Qu'est-ce que je... Il va pas bien, là. Il va pas bien. Il va pas bien du tout. Il est peut-être mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un, là? Est-ce qu'il y a quelqu'un, là? Il va pas bien, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un, là? Il y a quelqu'un, il va pas bien. Juste avant de mourir, il m'a donné un pouvoir. Un pouvoir? Oui. Quel pouvoir? Je sais pas, il a pas eu le temps de me le dire. Ben, je pourrais savoir, ça pourrait servir. Je sais, mais je sais pas. On va chercher, peut-être que... Je peux faire tomber la pluie, je sais pas. Peut-être que je peux faire pousser des fleurs. Peut-être que je peux arrêter le soleil. Oh. J'ai un pouvoir, je sais pas lequel. On va chercher. Oh my darling, Clementine. Oh my darling, Clementine. Oh my darling, Clementine. Oh my darling, Clementine.
pourquoi vous ne resteriez pas avec nous? C'est sérieux votre histoire de Far West? Ah, très sérieux. Et où c'est le Far West? Far West? Par là. Où ça? Par là. Vous voyez pas? Ah si. Si, je commence à voir. Oh my darling, oh my darling, oh my darling, come on back. Oh my darling, oh my darling, oh my darling, come on back. Tu sais, je suis essoufflé parce que on a couru depuis là-bas jusqu'ici. Lina, qui c'était ce type-là? Rien. Faut pas te promener toute seule comme ça, tu sais. T'es encore trop petite, toi. T'es trop fragile encore. Allez, on y va. Allez. Deux jours de marche. Deux jours de marche? C'est long, hein? C'est long, c'est long. Avons-nous le droit de trouver long le chemin qui conduit à l'Éden? La transhumance n'est-elle pas aussi belle que les retrouvailles avec la vallée perdue de notre enfance? C'est un acte. L'important, c'est pas de savoir si nous vivons le printemps ou l'automne. L'important, c'est de transcender le... C'est pas vague. Ouais, voilà. C'est bon, si vous vous mettez tous contre moi. Voyons, mon chéri, ne t'énerve pas. Mais non, on n'est pas tous contre vous. Pas vous énerver, c'est vrai. Allez, on y va. Ouais. Viens, Gabriel. Viens. On a été perdu de temps comme ça. Singulier, ça. Oh, rien, rien.
brûlé. C'est comme ça qu'ils faisaient le feu, les anciens, dans l'Ouest. En fronçant debout de moi. Hein, Jacques? Vous allez voir. On va sortir un petit peu, ça va partir tout seul. Allez, hop là. Jacques, tu as des allumettes? Jacques! Tu as des allumettes? Tapis fin! Je t'ai vu contre la cheminée. Alors c'est ça ton pouvoir, hein? Tu fais tomber les murs. Ouais, c'est drôle, hein? C'est drôle, hein? C'est tout ce que ça te fait. Ouais, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de la mienne non plus. Écoute, Jacques, je préfère partir tout seul. Je ne veux pas continuer à me promener avec un homme qui risque de détruire la ville tout entière rien qu'en s'appuyant de temps en temps contre les murs. Oh non. Oh non, Gabriel. Faut pas me laisser. Déjà qu'on est tellement seuls quand on est ensemble. Et puis il y a les autres. Oh, les autres, pour ce qu'ils valent. Justement, c'est pour ça qu'on doit les aider. La loi de l'Ouest est formelle. Le fort doit protéger le faible. Le fort? Et toi aussi, tu dois m'aider, Gabriel. Tu dois m'empêcher de m'appuyer contre les murs. Tu sais, il faut qu'on continue. Après, on sera trop vieux. Trop vieux. C'est drôle, hein? On part comme chercheur d'or, on finit comme gardien de mur. Bon, ça va, allez, tu peux compter sur moi. Merci, Sancho. Allez, va chercher le pain, les autres enfants. Complètement sous, ben, c'est Sancho. Je m'appelle Gabriel. Un mieux beau, ce pain. Bravo. Y a quelqu'un? Oh, oh! Y a quelqu'un? Bonjour, boulangère. Je suppose que vous êtes également pour la liberté sexuelle. Eh bien, c'est-à-dire, madame, je... Excusez-moi, mais je venais vous acheter votre pain parce que j'ai vu que vous aviez des miches bien bronzées, des miches de pain, je veux dire, bien grillées. Et mes amis et moi, nous aimons le pain brun. Excusez-moi. Je reviens. Je vais demander aux amis s'ils préfèrent les petits pains pistolets ou les pains en raisin ou au cumin. Excusez-moi, je suis à vous dans une seconde. Alors? Il n'y a plus de miche, il n'y a plus de pain. Sur le territoire du grand chef Corne de Brune.
Prévenu de l'arrivée de votre caravane par la rumeur publique, je vous guette depuis 3 jours, comme le chasseur guette l'élan. Permettez-moi de vous inviter sous ma modeste tente pour une légère collation, afin que vous puissiez reprendre des forces avant de poursuivre votre noble aventure. Suivez-moi. Mon maître d'hôtel va vous montrer le chemin. Higgs ! Higgs ! Higgs ! Mes amis, vos rouges de cœur, je n'en suis pas moins un des pionniers de notre expansion économique. Je dirige 3 usines, administre 5 sociétés, gère 12 circuits commerciaux. Mais vous, mes pauvres amis, regardez-vous. Vous vous lancez dans l'aventure sans la plus élémentaire prudence. Aussi, mon devoir est de lever mon casse-tête et de vous crier casse-cou. Le Far West, un mirage. Qu'espérez-vous y trouver? Je peux vous dire, en tout cas, moi, ce que vous n'y trouverez pas. Pas de sécurité sociale en cas de maladie. Pas d'assurance en cas d'accident. Pas de retraite en cas de vieillesse. Bien sûr, aujourd'hui, tout est beau, tout est rose. Mais qu'adviendra-t-il de vous dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Pensez à l'avenir. Il est mort. Il est mort. Ben voilà. Je crois qu'il est temps, hein. Oui, il est temps, hein. Madame. Je suis vraiment désolé. Je suis sûr qu'il est très content d'être mort en Inde. Ah bon? C'est de la chance alors dans le malheur. Madame. Allez, on y va. Hein? Mm-hmm. Mon chéri. Gladys! Oh, Gladys, I love you! Far West. Not so far west. Puisse également les rires de nos enfants, de nos petits-enfants et de nos arrière-petits-enfants te remercier à tout jamais. Amen. Alors là-bas, tout au bout derrière, on mettra le bétail. Quel bétail? Le bétail qu'on va avoir. Fora d'amour. Fora d'amour, pas fora d'amour. Là, on va engranger le blé. Ah bon, quel blé? Le blé qui va pousser. Et là, il y a les douches. Pourquoi les douches? Pour se laver les douches. Tu laves jamais, toi? Là, on installera la forge. Là-bas, les cuisines. Ça, ça va être le saloon. Le saloon, magnifique. Et au pied de la colline sacrée. La colline sacrée. Hug!
C'est haut, mais c'est beau, hein, Gabriel? C'est pas si haut que ça, mais c'est drôlement beau. It's beautiful. Ouais. C'est copieux. Oh, c'est très beau. C'est très beau. Magnifique! Mais si un jour les gendarmes nous chassent d'ici? Oh, les gendarmes, ils peuvent pas nous chasser de là. Pourquoi? C'est à moi, ça. Quoi, pas vrai? Si, c'est à moi. Quoi? Lina! Lina! Hey! Hey! Là, là, là! Oui, là, là! Ah, ah oui! C'est lui! C'est lui, je le reconnais! C'est le même que celui de la dernière fois, c'est le même! Mais je ne comprends pas pourquoi chaque fois il revient! Mais Jacques, c'est le même! Vous l'avez déjà vu la dernière fois? Attendez, j'y vais! Ah oui, oui, c'est lui! C'est lui que je reconnais! Là. Tu le connais, toi? Oh, oui, ben, un peu. Je l'ai connu avant. Qu'est-ce que tu faisais avant, toi? Avant, j'étais danseuse. Jacques! Mais rassure-nous, mon Dieu! Ben oui! On est resté là! Oui. On est inquiets! Non, c'est rien! C'est fini, c'est arrangé! Venez! Vous pouvez descendre! Venez! Bien trouvé le Far West. Il n'y a pas de raison qu'on trouve pas de l'or. D'ailleurs, Jacques me l'a promis. Oh, Jacques! Quoi, Jacques? Rien, rien, savez-vous. Il a su quand même nous conduire jusqu'à la Vallée Heureuse. Mais pour le reste, c'est pareil. Et puis, je vais te dire, tout ça, c'est une question technique. D'abord, il faut du flair. Alors ça, c'est essentiel. Sentir le filon. Ici, tu le sens. C'est comme s'il coulait dans mes veines. Ensuite, il y a le coup de poignet. Alors ça s'apprend pas. Il y a des gens qui ont travaillé pendant 20 ans, et bien ils l'ont jamais eu. Chez moi, c'est héréditaire. Oui, monsieur. Troisièmement, ce n'est que du charbon. À la soupe! Bon, et bien voilà la soupe, allons-y. À la soupe! À
répète ce que tu viens de dire. Une fois, ça suffit. Ce n'est pas une négresse puante qui me donnera des leçons. Mais bon, puis d'abord, une négresse a plus moins qu'un sale juif. Tiens. Gabriel, demande-lui pardon tout de suite. Jamais. Tu veux lui demander pardon? Jamais. À une putain, jamais. Tu deviens fou, Gabriel. Non, je suis pas fou. Puis j'en ai marre de toi et de ta rêve de merde. Gabriel, et puis tu deviens fou. Je te défends, espèce de te lâche-moi. He's the most rapping gun in the country. Homme, viens toi que tu es poussière, que tu retourneras en poussière. Amen. Seigneur, recevez l'âme de notre compagnon dans votre très grand paradis. C'était bien, hein? Formidable, oui. 24 laissés portés! Glad to see you better, ma'am. Thank you very much! En tout cas, ta mort était formidable, Gabriel. Ah, oui, bravo, bravo! Ta jupe de pied était extra. Je dis donc, Gabriel, la prochaine fois, ça un peu moins fort. La prochaine fois, il n'y a pas question que je joue les morts, tant plus qu'à vous rendre malade. La prochaine fois, c'est moi qui tuerai. Ouais, si tu veux. Et on joue à quoi cet après-midi? L'enfance. Qui peut nous dire quand c'est fini? Qui peut nous dire quand ça commence? C'est rien avec de la prudence. C'est tout ce qui n'est pas écrit. L'enfance qui nous empêche de la vivre, de la revivre. Infiniment, à remonter le temps, de déchirer la fin du livre. L'enfance qui se dépose sur nos rides pour faire de nous enfants, nous revoilà jeunes amants, le cœur est plein, la tête est vide, encore le droit de rêver et le droit de rêver encore. Mon père était un chercheur d'or. L'ennui, c'est qu'il en a trouvé. Les adultes sont déserteurs, tous les bourgeois sont des Indiens. L'enfance, l'enfance. Qu'est-ce qu'on fait demain? La chasse aux bisons. Allez,
Bonjour, la dame. Asin himself et Pig, qui sommeille, et Sleeping. Intolérable! Je vais vous dire, moi, ce qui ne va pas. La loi de l'Ouest est formelle. Une femme ne peut pas vivre seule au milieu des hommes sans protection. Forcément. Les instances déchaînent. Very exciting lady. On pourrait peut-être me demander mon avis, non? C'est justement ce qu'on va faire. Gabriel a raison. Il vous faut la protection d'un homme. Je dirais même plus. D'un mari. Un mari? Je choisis le bison. Le projet. Toujours le projet. Faut pas vous décider sur un coup de tête. C'est trop important, il faut choisir en toute connaissance de cause. Hein? Allons, ces messieurs au salon. Ces messieurs au salon. Non, pas toi. Pas les gens mariés. Allez, va t'asseoir. Que vont-ils faire? Elle va se choisir un homme. Quel rêve. Voilà. Eh bien, toi aussi, Jacques. Voyons. Quel âge? 30 ans. Profession? Mexicain. C'est pas une situation d'avenir, ça. I am Frankie, the invulnerable terror of the West. Pas solide, l'Ouest. C'est là qu'il se trouve de l'or, Tintin. Dis, tu pourrais me faire l'amour, toi? Oui, dans une église. Je choisis celui-là. Lui? Mais il est déjà marié. Justement. C'est pour faire chier. Justement. C'est pour faire chier. Ah, mais ce n'est pas possible. Pas possible. Comment pas possible? Apprenez, mon jeune ami, que je suis mormon. Or, les mormons ont droit à plusieurs épouses. Bon. Eh bien, la cérémonie aura lieu demain sur la colline sacrée. Ça va pour ce soir. Vous savez,
Les questions religieuses, ça me dépasse. C'était plein d'Indiens par ici. Allez, souriez, les gars. Souriez et laissez-moi faire. Nous, visage pâle, heureux de vous accueillir. Nous célébrer grande fête. Vous venir manger et boire avec nous. Vous pas avoir peur. Approchez. Approchez. Tenez. Attention, les gars. Ce ne sont pas de vrais Indiens. Non, ce ne sont pas des vrais Indiens. Lina, apporte tes verres. Nous, fumer, calumet de la paix, tous ensemble. Selon la tradition, rompre le pain avec le sel en signe d'amitié, n'est-ce pas? Il y a du sel? Il n'y a pas de sel. Rien vu de plus triste.
existe depuis l'incendie d'Atlanta. Oh votre flûte. Elle est à peine abîmée. C'est très arrangeable. Je n'ai jamais rien vu de plus triste depuis la prise de Gettysburg. C'est fort, Adamo. À l'amour. À l'or ! De l'or ! J'ai trouvé de l'or ! De l'or ! Un bourrasinon, c'est un filon ? Qu'est-ce qu'il vient de marquer sur les quais ? Janvier 1944, First Division de la 5e armée du général Von Krupp. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un trésor que les Allemands cachés lancent en allant. Il y en a pour des millions. Ça y est, je crois en Dieu. Hier, on nous casse la cabane, et aujourd'hui, on trouve de quoi tout reconstruire en 10 fois plus beau. Pourquoi ? God of the King. On pourra s'acheter des chevaux, des troupeaux. Des magasins. Une église. Et un vrai bison pour l'achat. Eh bien, ce compte-là, on t'en aller directement, très fermé. Et on pourra tuer de vrais Indiens. Arrêtez, hein, taisez-vous. Vous me dégoûtez. Pourquoi ? Vous êtes bon, hein, comme cowboy, je vous félicite. Dites-vous bien une chose, ce temps ne nous appartient pas. Il appartient au Congrès. Au Congrès ? Oui. Quel Congrès ? Allez. Qui a raison ? C'est sûrement ce qu'aurait dit le grand Buffalo Bill. Oh, votre Buffalo Bill ! Il avait 22 femmes sur les bras. Taisez-vous, j'ai dit. Même les femmes. Gabriel. Ouais. Tu garderas le camp en mon absence. Tu surveilleras l'or. Je veux qu'à mon retour, tout soit OK. Compris ? Et où vas-tu ? Informer le président de notre découverte. Il n'y a pas de président en Belgique. Ben, son remplaçant, quoi. Ouais, c'est ça, le roi. Parle pas tout seul, Jacques. Tu sais bien que tu peux pas rester tout seul. Surtout pas en ville. Il y a trop de murs. C'est pas prudent, Jacques. Bon, tu peux compter sur moi, Jacques. Mais fais attention au mur. Attention au mur. C'est différent. Les femmes, ce qui compte pour elles, c'est la sécurité. Alors que l'homme est un nomade, l'homme est un aventurier. Il se promène de colline en colline, mais ce qui le préoccupe toujours, c'est de découvrir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline. Les femmes n'aiment pas ça du tout, les femmes sont immobiles. Ça bouge pas une femme. J'aimerais jamais ça, moi. Jamais. Pas... Jacques. Oui. Jacques, je t'aime. Ah bon ? Eh bien, donc comme je disais, les femmes sont immobiles, elles veulent nous prendre au piège. Et puis quand on n'est plus au piège, elles veulent pondre un œuf. Moi, je n'ai rien contre le fait que les femmes veuillent pondre un œuf, mais en dessous de l'œuf, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de la paille. Jacques, je t'aime. Oui. Et alors, il faut que l'homme, donc, ramène de la paille. Et puis un jour, il y a du vent. Et dès qu'il y a du vent, il faut que l'homme bâtisse un mur, soit autour de l'œuf et autour de la paille. Et l'homme devient prisonnier. Et puis un jour, il pleut. Et un jour, il pleut. Et puis l'homme doit bâtir un toit au-dessus de l'œuf et au-dessus de la paille. Ça, et ça dure comme ça depuis des siècles. Et puis, il lui faut consolider cette maison. Pour qu'elle puisse servir à ses enfants, aux enfants de ses enfants, aux enfants des enfants de ses petits-enfants. C'est ainsi que par amour.
Oh, elle est belle. C'est comme une rivière. Ouais. Ouais, c'est comme une rivière. Monsieur, pour voir le roi, s'il vous plaît. Pardon. Je disais, pardon, monsieur, comment faut-il faire pour voir le roi, s'il vous plaît? Vous voulez voir le roi? Oui. En cette saison-ci? Oui. De toute façon, c'est pas ici, moi. Moi, je ne suis que huissier de troisième classe. Vous avez une convocation? Non. C'est parce qu'on a trouvé de l'or. De l'or? Oui. Ouais. Oui, bien sûr. Bon, ben, je vais vous mener auprès de l'huissier de deuxième classe. Merci. Minuit, je vais vous annoncer. Alors on se remplace. C'est une grande famille ici, vous savez. Alors, c'est pourquoi? Je viens de... Oui, oui, non, je sais, mais vous êtes ici en présence d'un huissier de deuxième classe. Enfin, Alors, eh bien, voilà, on a trouvé de l'or. De l'or? Oui, dans une mine de charbon. C'est ça. Et alors, on voudrait en parler au roi. Ah, ça devient un peu différent. Là, mais nous, ça concerne l'huissier de première classe. De première classe? Oh. Oui, de première classe. Il en faut. Devenez madame. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour vous? Eh bien, voilà, comme je disais récemment à vos collègues, on a trouvé de l'or. De l'or, oui. Dans une mine de charbon. Et on voudrait voir le président. Enfin, le roi. Ah, le roi. Le roi. Sire. Je sais, ce sont les vacances, n'est-ce pas? Alors, on se remplace. Ici, c'est une grande famille, vous savez. C'est à quel sujet? Oh, on viendra. On viendra quand le congrès rentrera de vacances. Oui, déjà, on reviendra. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Dis-moi. Thank you.
jeter-les contre le mur. Non, non, pas contre le mur, hein. Pas contre le mur, c'est... Pas contre le mur. Pas contre le mur, hé. Contre le mur. C'est tout ce que vous trouvez à me dire, mais vous me prenez pour qui? C'est de la faute aux Indiens. Aux Indiens? Oui, vous connaissez les Indiens. Ah oui, naturellement. Vous voyez, c'est de la faute aux Indiens parce que moi, j'ai trouvé de l'or et je suis venu pour le dire au roi. Ah oui, oui, vous aviez trouvé de l'or dans une mine, je suppose. Ah oui, monsieur le juge, dans une mine de charbon. Oui. Et où est-elle située, cette mine? Elle est au Far West, c'est embêtant d'ailleurs parce que ils doivent m'attendre là-bas. Et ils doivent sûrement se faire de la ville parce que j'y suis pas. Allez, emmenez-le et libérez la fille. Allez, emmenez-le. Que c'est pas serré. Il faut pas faire ça. Allez, appuyez-vous. Appuyez-vous. Vous croyez que c'est vraiment raisonnable? Un ordre est un ordre. Vous savez, c'est... Je vous aime bien, vous êtes gentil, hein, mais tout ça va tomber. Et maintenant, quittez ce mur. Allez, à
avancez. Non, c'est... Là, maintenant, c'est vous qui devez reculer, parce que ça va vous tomber dessus. Allez, avancez. Mais reculez. Avancez. Mais reculez. Avancez. Instruction, monsieur le juge. Elle avance tout en reculant et réciproquement, ce n'est pas une affaire comme les autres. Et que comptez-vous faire? Oh, vous savez, l'affaire m'échappe, elle me déborde, elle extrapole. La décision doit être prise. Elle doit être prise à l'échelon national par le Présidium suprême. Ouais. 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 Il faudrait tout de même pas confondre hâte et précipitation. Ouais. Ouais. Le coup ? Normal. Tension ? Normal. Température ? Normal. Fond d'œil ? Normal. Bon, ça suffit. Il est... Oui, je sais, normal. Je vois. Cependant, le pays a droit à la vérité. Rien que la vérité, mais toute la vérité. Ouais. Ouais. Et lorsque vous étiez enfant, mon fils, vous est-il arrivé d'avoir des pensées impures? Un pied dans la lumière, un autre dans le péché. Votre faiblesse était une proie toute désignée pour le prince des ténèbres. Non. Va dire trop, Satanas, ego te objurgo in domine patris, et filii, et spiritus sanctis. Amen. Nos partenaires du marché commun ont les yeux fixés sur nous. Si je vous dis Napoléon, ça vous fait penser à quoi? À rien. À rien. Et si je vous dis Bonaparte? À rien non plus. À rien non plus. Non. Bizarre. Ouais. Si je vous dis Mozart? Rien. Rien. Si je vous dis Don Quichotte, ça sert à rien. J'aimais bien. J'ai essayé des Don Quichotte. Ah, vous avez essayé? Oui, j'ai arrêté à cause des femmes. À cause de qui? Des femmes. Parce que elles me réveillaient tout le temps. Elles vous réveillaient tout le temps? Oui. Bon, écoutez, on va faire une petite expérience et puis je voudrais qu'on revienne à cette histoire de mur. Oh non, non. Non, 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 on non. On va revenir à cette histoire non. de mur. Un grand mur. Non. Appuyez-vous non. dessus. Non, je ne veux pas m'appuyer, non. Appuyez-vous. Non, je ne veux pas m'appuyer contre le mur. Calmez-vous. Non, je ne veux pas m'appuyer. Calmez-vous. Non. Calmez-vous. Non. Calmez-vous, je suis là pour vous calmer. Ah, bon. Calmez-vous. Oui. Alors appuyez-vous contre ce mur. Appuyez-vous. Non. Appuyez-vous contre ce mur. Appuyez-vous contre ce mur. Ben bon, alors, appuyez-vous. Reculez-vous. Et vous avancez. Oui. Vous avancez d'un pas. D'un pas. Avancez d'un pas. J'avance d'un pas, oui. Vous avez avancé d'un pas. Oui. Ah bon, alors avancez deux pas. Deux pas, oui. Bon, avancez deux pas. Oui. Alors pendant qu'on y est, on avance de trois pas. Oui, trois pas. Peut-être que la prison... Ouais. Peut-être que la prison... Ouais. Agrandi, Chablais. Non. Antigua, Lino. Non. Jacques, de Jacques. Présent. Et maintenant pour le segment, en avant.
dans son infinie miséricorde, dans sa gigantesque bonté. Dieu, que vous appellerez humblement comme des pécheurs, que vous êtes, Dieu se penchera vers vous pour vous réconforter et vous apporter son pardon. Amen. Et maintenant, étant donné votre bonne tenue, monsieur le directeur vous accorde une promenade de 5 minutes. Pour réfléchir. 1, 2, 3, 4.
parole d'honneur quand vous ne travaillerez pas pour nos ennemis. Je ne travaillerai pour personne. Levez la main droite, dites-y que je le jure. Là, ça me paraît difficile en ce moment. Les autres. Où sont les autres? Ils sont partis. Et l'or aussi. J'ai tout fait pour les empêcher, Jacques. Mais la vue de l'or les rendait fous. Ils étaient comme des rats hystériques. Voilà, c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini, tu sais. C'est pas fini, Gabriel. On va repartir, hein? On va trouver un chariot. On va trouver d'autres filons d'or, hein? Le Far West, c'est jamais fini, tu sais. C'est jamais fini. Hein, Lina, c'est jamais fini, tu sais. Non, c'est jamais fini. C'est jamais fini. Ils viennent de s'arrêter. Ils font du feu. Et maintenant, il chante. Allez, il chante. Gabriel. Hein? Tu vas nous marier. Vous mariez? Ouais. Mais je ne suis pas pasteur. C'est le patriarche. La loi de l'Ouest est formelle. Tu as le droit de nous unir. Pour le meilleur et pour le pire. Hein, Lina? Oui. Allez, va chercher ta Bible. Marié. C'est bien. Attends. Mais enfin, cet or, ils l'ont ou ils l'ont pas? Non, je ne vois rien. Ils ont l'or! Ils ont l'or! L'or? L'or! Intolérable! Inadmissible! Ils ont l'or! Il faut les arrêter! Lina! C'est comme une rivière! L'enfant qui peut nous dire quand ça finit, qui peut nous dire quand ça commence, c'est rien, avec de l'imprudence, c'est tout ce qui n'est pas écrit. L'enfance, il est midi tous les quarts d'heure, il est jeudi tous les matins, les adultes sont déserteurs, tous les bourgeois sont des indiens.